Salut YouTube, bienvenue sur cette VOD, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Le chat n'attendait que vous pour commencer cette aventure. Nous allons jouer à Pity Playable Teaser en anglais, teaser jouable pour les anglophobes. C'est parti, pétez vos cires proutes. C'est parti. Alors il va falloir me dire au niveau du son par contre. Hein. Je baisse un petit peu, je le mets à moins 25. Je vais changer la source. Et comme ça on sera bon. Oh. Ah ouais, alors par contre... Oh la vache mille. Ah, dans mes souvenirs, ça tournait un peu mieux que ça. Hein. Bon, c'est dans son jus. Hein. Je vous répète, c'est le jeu officiel. Hein. C'est le jeu officiel, c'est Pity, les gars. C'est pas une sorte de contrefaçon. Alors attendez, luminosité. Est-ce que vous voulez un peu plus ou pas? Ajuster luminosité jusqu'à ce que seule l'image gauche soit visible. Ah mais on va rien voir du tout, là, les gars. Je vais mettre comme ça, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Vous me dites au niveau du son, hein, si c'est bon. Bon, normalement, de souvenir, il y a un sac, là. On peut pas le voir maintenant. Alors, attendez, je me refamiliarise avec les touches. Voilà, donc le zoom, c'est le stick. Il y a juste avancer. Et c'est bon. Ok. Peut-être mettre un peu plus fort pour moi. C'est parti. Putain, eh. C'était beau quand même cette merde. Hein. Oh la vache. Ça fait quelque chose, n'empêche de rejouer au vrai. C'est parti. Je vais essayer de jouer en mode E3 un peu quand même. On va essayer d'observer un peu les choses. Merci Eugène. Je risque de pas beaucoup parler, hein, je vous le dis tout de suite, les mecs. Ah, c'était quand même vachement beau. Hein. Et du coup, je suis sur le cul parce que j'avais testé un faux Pity sur PC. Il avait fait du bon travail. Hein. C'est une vidéo de Feldup. Hein. Repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. Faites suivre un peu le lore quand même. Another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be a larger trend such as employment. Il est quand même fort, hein, cet enfoiré. Hein. Ouais, il n'y a pas à dire niveau ambiance, ce son-là, là. Il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a sincèrement quelque chose. Hein. Ah, les petits sigles, en plus. C'est vrai que les petits sigles, mais putain, on aurait pu deviner. Je sais pas si vous avez vu, parce qu'il y a eu le gif de moi qui danse en bas à droite, mais... C'est les mêmes sigles qu'il y avait dans Silent Hill, on aurait peut-être pu deviner plus tôt, quoi. Alors, un moment, les gars, si on veut qu'on réussisse, si on veut terminer la démo du jeu, et qu'on arrive au trailer de Silent Hill, il faudra que vous m'aidiez, hein, parce que je me rappelle plus du tout ce qu'il faut qu'on fasse. Hein. Il y a tellement de trucs qui n'ont aucun sens qu'on doit faire. Ouais, alors là c'est fermé et je crois qu'il faut faire demi-tour. Ah putain, j'avais oublié. Tout va bien. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Hein. Et là ça devrait être débloqué. Oh la vache, putain non. Ah, il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il fout là, le cockroach? Allez, petite anecdote aussi. Je sais pas si vous saviez. Bon, je crois que ça avait été... Ouais, là, la porte est ouverte. Mais le jeu avait été développé de façon à ce que, toujours derrière nous... Des fois, on entend le son de la meuf qui respire. Là, c'est Lisa, je crois qu'elle s'appelle. On l'entend pas encore, c'est normal. En fait, dans le jeu, elle est toujours derrière nous. Elle est là,
concrètement. Mais on entend juste un son nous dans le jeu, mais en fait elle est bien derrière nous tout le temps. Putain, j'avais oublié ça par contre. Je crois qu'il y a un minimum d'aléatoire, non, parfois, non? Genre, il y a des événements qui se passent sans trop qu'on... Sans trop que ce soit au même moment que les autres, non? Ça rappelle des bons souvenirs et des mauvais à la fois. Bon, si vous vous demandiez à quoi ressemblait en termes de propreté l'appartement de Flygo... Et je me rappelle que quand j'avais joué à l'ancienne, à un moment, il y avait Lisa, là, ici. On va checker à chaque fois, hein. Là, c'est quand même vachement beau, hein. Allez. Lisa ? Parce qu'on va voir le bébé dans pas longtemps là. Enfin le bébé. Est-ce qu'il en reste ? Voilà. Ça, je m'en rappelle. Eh ben voilà, il est là. Ah, c'est horrible les putains de sons dans ce jeu de merde, c'est pas possible. Regardez bien, hein. Ah putain. Ce son là, il est trop bien, franchement. Le boum. Tu vas la fermer ta putain de porte là? Merci Mister Dark pour ton année de sub. Faut que je fasse un truc pour qu'elle le ferme. J'ai peur en fait de me barrer et de pas la voir. Merci Burnside. Merci Turboléo pour ton 49e mois. Ah ah ah. C'est dans pas long, je crois. Voilà, la salope, je le savais. Mais je me barre tout de suite. Putain, je sais plus si le screamer, il peut arriver ici ou pas, en fait. C'est ça qui... Parce que c'est ça le pire. Hein. Le putain de screamer, là, il est... Voilà. Donc là, elle est derrière nous, hein. Tout le temps. Hein. Dites-vous ça, les gars. Madame ? Je sais plus ce que je dois faire. Je sais plus s'il doit aller au bout ou retourner ailleurs, là. Lisa, laisse-moi ! Voilà. Pas le screamer, c'est tout ce que je te demande. Alors j'ai mis la dose de déodorant au Choyer Nature juste avant le stream. Là je pue, hein. Je vous le dis tout de suite, je pue. Bon allez,
Bon là, âme sensible, s'abstenir, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va le son, les gars, au fait? Ouais, nickel, ok. Putain, la première fois que j'ai vu ça, mais franchement, mais c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Musique là normalement. Pourquoi il se passe rien? Ah voilà. Là, tu vois les battements du cœur en plus, ça c'est dégueulasse. Hein. C'est pas... C'est un peu fort, hein. Oh la vache. Putain, j'avais oublié à quel point ça prenait quand même les tripes de fou, hein. Merci, Yola Lefart, pour ton troisième mois. Merci, Ig aussi. Ok. Y a pas un délire de si je regarde bien, y a quelque chose là, on peut voir un truc. Je sais plus, je me souviens tellement plus de ce qu'on doit faire pour arriver à la fin de la démo, les gars, je vais vraiment avoir besoin de votre aide à un moment. Hein. C'est tellement dégueulasse. Et putain, du coup, vous me confirmez que c'est 2015. C'est quand même magnifique, hein. Je suis désolé, mais pour de l'année 2015, c'est incroyable, hein. Ok. Alors maintenant, je vais juste avoir peur d'un truc, c'est qu'on se tape le screamer d'un coup. Parce que je crois qu'il peut arriver nulle part en plus cet enculé là. Ah oui. Là, elle est derrière nous, là. Y a pas un délire où il faut que je vise ça, les gars, là? Six free. Ah, j'ai des frissons! Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, hein, mais j'ai le poil hérissé, là. C'est horrible. C'est... Pas maintenant. Mettez-moi Fun Radio, là. Mettez-moi autre chose, là, parce que le... Je crois que, de souvenir, il faut récupérer des bouts de photos. Ah, mais oui, elle est là. Regardez, on la voit. J'avais jamais fait gaffe. Regardez, là. Elle est derrière nous, cette salope. On la voit sur l'ombre. Putain, j'avais jamais fait gaffe. Ah putain, ça marche pas.
Ah putain de merde. Ah oh, j'en étais sûr que ça allait arriver. Ah j'en étais sûr, c'était sûr et certain que ça allait arriver maintenant. Bon, au moins, on a eu le streamer, c'est bon. Il revient plus. Il revient plus, les gars. Il revient plus, normalement. Vous me dites si je me trompe, hein, mais je crois que... Voilà, et là, il y a le sac derrière, je crois. J'ai pété. Référence au jeu. Eh oui, bien sûr, Tartifouette. Ah voilà, c'est là. I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But, it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Ça fait réfléchir. J'ai rarement vu ça, personnellement, hein. Il y a quand même une putain d'ambiance, hein. Il y a une putain d'ambiance, hein. Ok. Là, normalement, maintenant, c'est la quête. On est censé... Elle est encore derrière moi ou pas? Ouais. Regardez là. Ah, mais la saleté, putain. J'avais vraiment jamais fait gaffe, hein, quand je jouais ou je regardais des gameplays. Alors, essayons. Essayons avec la photo. Ça veut pas marcher. Merci, Monkey Débitu, pour ton tir. Ah, bienvenue. Ah, il fallait appuyer sur X. C'est bon, là, du coup. Ah, arrête! C'est chiant, hein, que tu dises ça. Je sais qu'il y a un truc aussi avec le téléphone à faire, je sais plus. Là, par exemple. Là, du coup, ça a remis un morceau de la photo, on est d'accord ce que j'ai fait. Putain, je me rappelle même plus. Je vais essayer de repasser par la porte au fond. Je suis la seule qui le trouve, qu'il se retourne trop facilement. Comment ça? Moi? Forgive me, Lisa. Donc pardonne-moi, Lisa. There is a monster inside of me. Il y a un monstre au sein de moi. Tiens, voilà. Je me rappelais qu'il y avait ça. Du coup, je me rappelle plus ce que ça veut dire, ce qu'il y a écrit sur l'écran au bout d'un moment. Ah, c'est le retour du chiard. Tiens, vous voyez, ça a mis le morceau de la photo ici. Notre objectif, c'est de reconstituer la photo. Oui, tu te tournes trop facilement. Bah, et qu'est-ce que vous voulez? Je vais rester... Oh, j'ai pas envie. Je vais pas faire comme ça, c'est bon, hein. Je fais pas une vidéo qui dure 10 minutes, hein. Bon, je le connais un peu le jeu aussi, hein. Je sais qu'il y a un truc à ramasser, là. Mais tu vas te le taire, là, sale gosse! C'est horrible, par contre, hein. Est-ce qu'elle est là, cette bouffonne? Ah! La salope! Voilà, elle est là! Elle est là! Regardez-la, cette saleté! Elle est laide! Elle est mauvaise! Elle est mauvaise! Ah, c'est horrible. C'est horrible.
I can hear them calling to me from... Oui? From où? Je peux les entendre m'appeler de... Depuis? Où? Ah, ta gueule. Ta gueule, sincèrement. Le pire, c'est que vous avez vu, elle sourit, hein. Putain, je sais que j'ai un truc à ramasser ici, je ne sais plus du tout où c'est. Je vais essayer d'y aller doucement. C'est pas le petit mot, là? Putain, ça va me rendre starbé, ça. Ha. Bon, en tout cas, on a un truc qui s'est passé, ça veut dire qu'on avance. Toujours le même truc qui est marqué là. Ok. Je mets Del Toro avait comme idée pour le jeu. Non, pas tellement. Hein. Franchement, on sait juste que il y a eu un trailer, donc le trailer qu'on va voir à la fin si on termine la démo. Il y a un autre trailer qui avait été montré au Tokyo Game Show d'après, qui était vraiment incroyable le trailer. Si vous l'en regardera après. Et il y avait Junji Ito. Donc pour ceux qui connaissent pas, Junji Ito, c'est le patron de l'horreur au Japon en termes de mangaka. Donc ils ont quand même bien chié dans la colle, hein, Konami. Hein. Vraiment des gros cons. Hein. Ah, c'est le frigo, ça. Alors, c'est bien gentil, mais je sais que j'ai des choses à faire et je sais plus où je dois les faire. Ça va me rendre starbé. C'est Mighty K, ça. Bon, je crois que les gars, c'est à ce moment-là que je vais avoir besoin de vous. Il va falloir que vous cherchiez sur internet ce qu'on doit faire pour arriver à la fin, parce que là... Je sais qu'il y a un moment bizarre dans la démo où je cours de partout, genre on court super vite. Il y a des trous dans les murs. Genre je sais qu'à un moment on va regarder par le... Il y aura un trou ici là. Bon, ça vous plaît pour ceux qui n'ont jamais fait la démo pour l'instant? C'est quelque chose hein. Je vous l'avais dit de toute façon hein. Eh ben dis donc, ça me rappelle à quelques faits divers français. Alors Bébou. Ah, voilà. Peut-être là, non? Je sais que j'ai quelque chose à faire là, les gars. Faut m'aider, je sais plus. Hello is written on the wall above the phone. Move to the foyer and examine the calling to me from message. Then return to the phone and examine hello. Then go back to the foyer, notice that the letter is not... Compliqué, hein? Ah oui, ça! Ok. Alors du coup... Voilà, il y a le L qui est parti. Il manque quelques lettres, oui.
Qu'est-ce que tu fais là, là? Ça me fait flipper, cette conne. Ouais, je me barre de l'appart. Oh la vache. Oh les frissonus. Ok. Et là, il est minuit. Vous voyez, depuis tout à l'heure sur l'horloge, il est 23h59. Là, il est minuit. Ah, c'est là où on va pouvoir courir, non? Je sais plus. Et là, je crois qu'en plus, je crois que dans la radio, c'est du suédois ou de l'allemand, je me rappelle plus. Il reste une lettre. Non, non, il n'y a plus rien. Hein. Chaque, franchement, chaque putain de moment où je m'arrête, ça fait un joli screenshot, c'est quand même quelque chose. Ce bruit-là, il est horrible. Ah, c'est là! Regardez, je cours! Tu sais, c'est que je sais plus ce que je dois faire, du coup. Je sais que j'ai un truc à faire ici, mais je sais plus quoi. J'y vais les mecs, je me barre. J'ai besoin d'aide. Là tu vas avoir un cas de photo tombé par terre. Et là où il y est. Là où il était, il y a un trou que tu dois regarder. Ok, attends, je vais retourner en arrière au cas où. C'est quand même marrant à quel point je suis rapide là. Oh le bruit est horrible hein. Alors voyons voir le cadre. J'espère que je l'ai pas raté. Oh la vache, ça donne envie de bûche par contre. Marqué un truc là? Oh là là la vache, le son, mais c'est incroyable là, putain, Ah, c'est là! On regarde! Je suis pas bien placé? Allez, voilà. Ah! Ah! Ah, mais le son quand même. No turning back now. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. C'est un crooner, hein, le bébé. Hein. Il a des couilles énormes. Hein. C'est bon, Marcel, je peux partir, là?
Il a du coffre, celui-ci. Exactement. Je crois, ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de marqué ici. Est-ce qu'on arrive à le deviner, Norman Reedus? Ah, quand même, hein. Ouais, on le... Faut avoir l'œil, mais on le devine. On le devine. Que quand on marche, par contre. Ok, j'avance, Marcel. C'est... Franchement, une fois... Là, vous avez vu ça, pour ceux qui connaissaient pas. J'espère que vous aurez la chance d'y jouer un jour, mais quand tu joues à ça... T'as plus envie de jouer à un autre jeu d'horreur, en fait. Juste, tu veux le jeu qui est censé être... aller avec ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jeu y soit fait, hein? Bon, ouais, deux secondes. Je finis ma bouteille. Merci Hugo d'avoir remué le couteau pour nous rappeler que ce potentiel chef-d'œuvre du jeu vidéo ne sortira jamais. Bah, je sais, les gars, je suis désolé. Ok. Donc là, il est minuit, toujours. Et on va pouvoir ramasser des trucs, si je dis pas de bêtises. Ah. C'est quoi qui s'est passé, là? Putain, le dernier truc, vraiment, c'était pas au courant, c'est juste un trouvable. Bah, c'est pour ça qu'on backseat, hein. Sinon, on réussirait jamais à finir la démo, hein. Pourquoi ça fait ça, déjà? 204863. Qu'est-ce que je dois faire, Marcel? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire! Ah putain, c'est vrai qu'il y a les faux glitchs. J'y vais maintenant. C'est marqué en haut à droite en français. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Je vous ai lu la version allemande aussi. 204863. Ils sont forts quand même, ces enfoirés. Hein. Faites attention, l'entrebâillement de la porte, c'est une réalité séparée. Donc ça, c'est ce que nous disait le sac. Le seul vrai moi, c'est moi. Êtes-vous sûr que le seul vrai vous, ce soit vous? Attends, mais on a fini, là? Ah non, ok. Et je crois qu'il y a plusieurs écrans de glitch, Marcel. Hein. C'est pas le seul. Si ça se trouve, on va pas réussir à la finir. Hein. Alors là, il reste à trouver les machins glitchés. Donc les photos. Alors pour trouver... Je vais essayer d'en chercher quelques-uns. Et je vous demanderai... en fonction, si on a besoin d'aide. Là, il est re 23h59. Normalement, je crois qu'il y en a ici. Alors, pour le trouver, par contre... Je sais plus s'il faut zoomer, en fait, obligatoirement, pour trouver le bousin. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment des fois cachés de ouf. Hein. Genre, je crois... Il n'y en a pas un dans l'entrebâillement, là? C'est vraiment un délire comme ça, quoi. Attends, Marcel, je regarde avant. Si je trouve pas, oui, tu me les donneras. Ah, il y a l'autre pute qui arrive. Bon, vas-y, donne. Donne les emplacements. Oui, Kungs. Alors, vas-y. Je te défonce, mais je comprends pas que c'est aussi dur d'aller au bout. Ça gâche. Bah, Lucas, si à l'ancienne... T'avais fait la démo en vidéo, je crois, hein, à l'ancienne. Mais en fait, c'est là toute la beauté du truc. Je sais pas si t'es au courant de toute l'histoire qu'il y a, mais il y a un délire où... En fait, le jeu, il est passé...
Comme une, il est passé pour la plupart des gens comme une lettre de démission de Kojima à Konami en sortant cette démo-là, tu vois. Et en fait, quand ça s'est sorti, tout le monde sur Reddit, sur les forums, sur YouTube essayait de trouver la solution à la fin du jeu. Et ça a créé ce sentiment de communauté. C'est ça qu'il voulait, Kojima, tu vois, avec ça. Et au final, bah, ça s'est bien traduit, quoi. Ça a marché. Donc c'est ça qui est ouf. De mémoire, j'ai pas une démo comme ça qui a réussi à captiver autant le monde, en fait, hein. Alors vas-y mon Marcel, il y en a un par terre sous l'horloge déjà. Alors sous l'horloge, ici non? T'appelles ça une horloge? Ça c'est une horloge pour Marcel, hein. Ça marche. Voilà, on l'a eu. Ok. C'est un radio réveil, hein. Vas-y ensuite, le prochain. Big horloge. On y était, hein. Démo de R7, il y a eu un engouement car il y a eu des glitches qui ont fait croire à une autre fin avec le doigt du mannequin. Ouais, il y avait ça aussi, je m'en rappelle. Derrière toi, apparemment, dans un vase. Là où j'étais? Ah, là-dedans, dans le pot. Un vase, hein. Pour Marcel. Ça, ça vaut 14 balles à Ikea. C'est un pot. Un vase. Un pot de fleurs, le mec. Ok, c'est bon. Alors, dans le réceptacle à photographie, tu devrais trouver encore quelque chose. Non, il y a... Le... Ah, nounours. Hein? Alors, les gars, voyons voir où il y a un pot de fleurs. Par terre. Ah. Ah, ici. Ok, c'est bon. On en est où, là? Ok, il en manque deux, encore. Les autres doivent être dans le coin, là, par ici. Elle est là, cette connasse. Alors, attends, je vais me barrer deux secondes. Faudrait pas qu'elle me chope. Ils sont où, Marcel, les deux derniers? Je crois qu'elle est partie. Ensuite, il y en a un planqué dans les moulures du plafond à l'entrée. Ici? Putain, les moulures du plafond! Alors, on va essayer de regarder correctement. Dans les moulures, carrément dedans. Au foyer, là. Ah, de l'autre côté! D'accord, ok, pardon. Non, j'ai testé Power Drill Massacre, c'est que des screamers, en vrai, c'est de la merde. Hein. Par ici? Alors, attendez que je regarde bien, parce que... Ça, c'est les... Ça, c'est le truc de la porte. Là, oui, il y a la lampe qui pendouille. Alors, voyons voir. Si vous voyez un truc, les gars, vous me dites, hein, parce que là... Putain, il y a encore l'autre bouffonne. Il y a l'araignée. Je suis con ou quoi? Je vois pas du tout où c'est. Où est-ce que t'es là? Ramasse! Je suis sûr qu'elle est là par contre. Merci Clément pour ton cinquième mois. C'est super compliqué hein, de voir là. Bon écoutez, on va essayer de regarder avec l'œil affiné. On va bien voir hein, au bout d'un moment. Au-dessus? Non, ça a pas l'air d'être au-dessus. Hein. Alors là, les mecs... Attendez, je vais quand même vérifier. Devant la salle de bain, normalement, juste au-dessus. Ah.
Écoute, on voit rien du tout, hein. Elle est de retour. Mais tu cherches quoi? Mais t'es con ou quoi, Théorus? Et Théo, vraiment débile, hein. Depuis qu'on a lancé la démo, j'ai dit on a des petits morceaux de photos à récupérer. Le morceau de mur de la salle de bain qui sépare. Hein? Morceau de photo 3. Quand la porte de la salle de bain est ouverte, faites face à celle-ci, puis décalez-vous vers votre gauche tout en regardant le plafond et il sera là. Alors là, mon pote. Par ici? Ah, ça! Oh la vache! Putain! Ah, glaubt ich ein Telefon! C'était en allemand. Ah ouais, non, mais je comprends, Marcel, c'est compliqué à expliquer. Hein. Et du coup, il nous en reste un. Ouais, il nous reste plus que le centre de la photo et c'est bon. Dans l'escalier, ok, j'y vais. Je crois que je l'ai déjà ramassé dans l'escalier, Marcel, au début. Je vais aller voir quand même. J'ai déjà ramassé, je crois. Ouais, il est plus là. On l'a pris. Il n'en reste plus qu'un, du coup. Merci Vixou pour le prime. Il faut que je reste en luminosité sombre, non? Ouais, voilà. C'est ouf, hein. Voilà. C'est hallucinant, quand même, ce truc-là. Ok, on est bon. Merci, Gold Tractor. Ma voix, peux-tu l'entendre? Ces signes, peux-tu les lire? J'attendrai toute l'éternité si tu me rejoins. Ok, c'est bon? On a terminé? Elle est là, regardez. Oh le cacamou. Sincèrement. Hein. Tellement flippante cette photo aussi. Il y avait des mecs qui s'amusaient aussi à trouver des théories avec, avec les photos, genre cette photo-là. En plus, on avait fait le jeu il n'y a pas longtemps. On avait fait Silent Hill 3, c'était quand? C'était le mois dernier, je me rappelle plus. Ou en décembre, je sais plus. Ça, ils pensaient que c'était une référence à Silent Hill 3 avec le carrousel vu de haut. Bon. Moi, je vois un nichon dessiné par un enfant de 4 ans, mais bon, si vous voulez. Là-bas aussi, il y avait une ref à soi-disant Death Stranding, ici, avec le ruisseau, enfin, l'espèce de cours d'eau qu'il y a dans Death Stranding au début, là, sur la première île. C'est allé très loin. Hein. Ok. Je sais plus ce qu'on est censé faire à la fin, en attendant. Rêve aux Looney Tunes. Ah, c'est tout rouge là. On a juste avancé jusqu'à la fin ?
Je vais être franc, hein, je comprends rien. Je vais aller voir moi-même, hein. On dirait qu'il faut faire des trucs à des moments précis et tout. Ouais, il paraît que c'est un peu cryptique à certains moments. Genre, il y a des gens qui pensaient aussi que pour réussir à aller à la fin... Ah ! Il y a écrit un truc, là. Il y avait marqué « C'est Soleil, c'est non ». Kojima, il voulait pas aussi faire un Silent Hill. Bon, Fitix. Alors, attendez. Est-ce que tu peux m'envoyer la soluce, mon petit Marcel, que je regarde moi-même ? J'ai 20 heures de jeu où t'as que des trucs comme ça. Je m'attends pas... Non, mais je m'attendais pas à que des trucs comme ça. Mais là, la beauté du truc, c'était surtout de découvrir la fin comme ça, quoi. C'est une démo pour annoncer l'un des jeux d'une série les plus aimées depuis des années. Donc, alors, attends, voyons voir. Là, on a ramassé le dernier truc. Dans les options, press R3 while in the menu to collect this piece. Ok, donc ça, c'est bon. Oh la vache! Ah, y a plusieurs méthodes en plus! Méthode 1. This method has been tested several times here at JGN and seems to work most of the time. While we had a microphone plugged in, we weren't actively speaking into it during any of our successful completions. After the bell chime, donc dès que les cloches font du bruit, wait for the haunting, the strange noising accompanied by spooky background music to end, then trigger the first laugh by walking 10 steps in any direction. Pour trigger le deuxième rire, players must locate the source of Lisa, the ghost sounds, as opposed to avoiding her. There are three main areas she will appear at, and they can be deciphered by listening to the noise during each haunting. D'accord? When you figure out where the sound is coming from, head to that object, being cautious to not get attacked by the ghost, examine the object until the haunting ends, and after a few attempts at this laughter... Hein? The laughter should be triggered. D'accord. Oh là 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 là. Attendez, il y a une solution peut-être officielle. On n'est pas couché. Hein. On n'est pas couché. Wait for the clock to strike midnight. After the haunting ends, walk 10 steps to trigger the first laugh. Ok. Wait for another haunting to start near the end of the haunting. Oh la vache. After Lisa stops crying, but before the haunting is over, whisper Jareth into the microphone. It will take 5-10 seconds for the voice recognition or PT to register that you whispered it correctly. This should trigger the second laugh. Ok. After the second laugh, the controller should start to vibrate shortly. Ok, donc dès que ça commence à vibrer, on doit pas bouger. And continue to stand still until you hear the third and final baby laugh. Soon afterwards, the phone will begin to ring. Zooming on the phone until you hear you've been chosen, then leave by exiting the hallway as normal to trigger the ending teaser. Ok. Bon, apparemment, ça, c'est la solution officielle. Les gars, il faut que je trouve un micro. Il faut que je trouve un micro de PlayStation. Alors, pour trouver ça, les gars, moi, je pensais que j'allais jamais en avoir besoin, hein. Sincèrement, hein. Et tu veux que je trouve un micro de PlayStation? Eh ben dis donc. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Hein. J'en ai plus en fait. J'en ai tout simplement plus. J'ai ça. Vous pensez que ça marche ça là? Vous pensez que ça marche ce truc là? Attendez, j'essaie de le brancher. À mon avis, bon, regardez la gueule de la manette. Hein. Je sais pas si... bon. Qu'est-ce que je fais là? Il y a forcément une solution quelque part. Il y a forcément une solution. Ah! Tiens donc! Vous ici? Attends. Ah, c'est un micro de merde. Putain, je vais pas trouver. Non, mais si je savais qu'il allait avoir besoin de ça, les gars, ben j'aurais cherché avant. Ça marche, un micro d'iPhone? Oh là 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 là.
Alors, j'ai peut-être une solution. J'ai peut-être une solution. Attendez, je regarde. Je regarde sinon sur le site. C'est très bizarre. Si ça se trouve, c'est que de la chance, hein. Deuxième méthode. After the chime strike at midnight and you've completed the time step plotter, seek out the ghost and attempt to communicate with the through the, your microphone. Ah, oh la vache, je parle comme un connard. Players have reported various phrases that have successfully triggered a laugh, including Hello Lisa, Hello, help me. Bon. C'est que j'ai l'impression d'avoir raté là en fait en faisant le con. J'ai peut-être une solution pour trouver un micro PlayStation. Je vais voir, je reviens, je vais chercher. Oh la vache. Je viens de me rappeler que j'avais une autre PS4 Pro. Donc si ça se trouve dedans, il y a le micro. Je vais essayer de voir. Putain, faut que je mette la clim, là j'ai chaud. Hein. Alors. Voyons voir. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre micro là-dedans? Je suis obligé. J'étais obligé d'aller chercher ça. Dans le grenier, quoi. Par contre, si j'ai trouvé, je suis le boss. Hein. Alors. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Oh, putain de merde. Si, peut-être. Oh, peut-être c'est de l'autre côté, en fait. Oh, non! Si! J'ai trouvé! On a trouvé! J'en ai un! J'en ai un! Oh, mais j'ai des manettes là! Oh! Attendez, je vais les sortir. Ok, j'ai trouvé. Bon, j'ai retrouvé des manettes aussi. C'est tant mieux. Putain, let's go. En plus, il est tout neuf, je m'en suis pas servi, regardez. Tac. Hop. Bon, je le déballe. On va voir si ça fonctionne. Je sais pas quelle méthode j'utilise du coup. Problème est maintenant celui du casse-micro connecté à la manette. Ok, propre. Donc ça veut dire que le micro, normalement, c'est ça. Ouais, ok, il est allumé. Putain, je m'en suis jamais servi de ce truc-là. Qu'est-ce que je fais, les mecs? Je le garde à la main, vous pensez? Si ça se trouve, je vais parler dans le truc, là. On va pas réussir. Bon, allez. En tout cas, on a le micro. J'aimerais bien tester, quand même. Réglage du volume. Désactiver tous les microphones. Ah, mais ça sort. Réglage du volume casse, sortie vers le casse. Non. Audio du chat. Voilà, merci. Bon, ça veut dire que ça a marché du coup. C'est parti. Putain, j'ai peur que ça marche pas. Désactiver le chat audio. Régler le niveau du microphone. Ah! Ah! Allô? Allô? Lisa? Lisa? Ouh! Can you hear me, Lisa? Ça a l'air de marcher. Ok, on est bon. Alors maintenant, il faudrait qu'on recommence, en fait. Il faudrait qu'on recommence une loupe. On fait quoi comme technique, les gars? On fait celle qui n'a aucun sens, là? Ou la méthode la plus simple? Je sais pas laquelle faire, en fait.
Fait méthode 1. Alors, il faut attendre que les cloches aient sonné. By spooky background music to end, then trigger the first laugh by walking 10 steps in any direction. Ok, on va essayer de faire ça, les mecs. Allez, on va essayer de faire ça. On va voir si ça marche. Donc là, il faut qu'on entende les... Il faut qu'on entende les cloches. Il est 23h59. On va attendre qu'il soit minuit. Et normalement, ça devrait marcher. Enfin, je pense que toutes les solutions ont plus ou moins aucun sens, en fait. C'est ça qui me saoule, mais... On va bien vérifier. Donc, une fois que les cloches ont sonné, attendez pour... que le haunting, donc quand on est hanté, se soit terminé. Et ensuite, on marche 10 pas dans une direction quelconque. Ok. Bah, j'attends une minute, là. Si ça passe pas à minuit, il faut que je repasse la porte pour attendre qu'il soit minuit, quoi. Je vais voir. J'ai l'impression d'avoir chié dans la colle, en fait. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bien ! C'est bien ! Bon, je vais fermer ma gueule, les gars. Hein. Je vais faire la méthode, hein. 10 pas, hein. T'es censé me hanter, là, Lisa. Ok, c'est bon. C'est bien. J'essaie de me tenir à distance d'elle. Elle est là ? Pas ici. Ok, on attend. Donc j'attends que ce soit terminé. Et ensuite on marche 10 pas dans n'importe quelle direction. Ok. J'ai envie de faire pipi en plus. Termine, termine, termine. Ok. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça a marché. Ok. Players must locate the source of Lisa. On doit trouver l'endroit où Lisa est. Et ne pas l'éviter. Il y a 3... endroits principaux où elle peut apparaître. Et ils peuvent être déchiffrés en écoutant le bruit. Ok. Alors si c'est la radio, ça va commencer avec un son de bruit d'électricité statique. Et ça s'entendra comme une petite voix qui dira « Ah !» Si c'est le téléphone, ça ressemble à la radio, mais ça continue avec beaucoup de respiration. Heavy breathing, ok. Et si c'est le miroir, « The distorted sound of a woman crying will sound... » Hein ? Instead of static, the distorted sounds of a woman. Ah! Ok, donc elle est soit dans... J'ai réussi là ou pas? Examine the object until the haunting ends. After a few attempts at this, the laughter should be triggered. Bah, elle doit être là, elle est dans le miroir. «
Ça se trouve, c'est le téléphone, hein. Pourtant, j'ai pas entendu de bruit statique, en fait, c'est ça qui m'énerve. J'ai pas entendu d'électricité statique dans le son. En tout cas, c'est ça qu'on doit faire, hein. Ouais, je sais, jusqu'à la fin, mais... Ce qui est bizarre, c'est que j'entends pas, en fait. Heavy breathing. C'est là. Tu es là, Lisa. Écoutez, de toute façon, ils disent qu'il faut essayer plusieurs fois, donc on va essayer de le faire plusieurs fois. Merci, Olers, pour ton prime. Non, il faut pas... En fait, si vous voulez, faut différencier les bruits de Lisa et le fantôme. C'est pas pareil. On doit pas aller vers le fantôme. Faut pas qu'on soit chopé par le fantôme, en fait. Between the entry door and the clock. Ok, you can try and force Lisa to spawn in the bathroom mirror by waiting for a haunting to begin between the entry door and the clock. The mirror is the safest area to interact with the ghost. Ok. On l'entend marcher en plus, cette bouffonne. On va bien y arriver, les mecs, de toute façon. Je vais essayer de relire un peu pour comprendre, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Hein. To trigger the second laugh, players must locate the source of Lisa's sounds. There are three main areas she will appear at, and they can be deciphered by listening to the noise during each haunting. The radio. This will begin with electronic static and what sounds like a soft voice saying ah ha ha. The phone. Similar to the radio, it begins with static and continues with heavy breathing. The mirror. Instead of static, the distorted sounds of a woman crying will sound. This indicates that Lisa is possessing the bathroom mirror. Ok. Et une fois qu'on a trouvé d'où le son vient, faut aller vers cet objet, en faisant attention de ne pas se faire attaquer par le fantôme, et examiner l'objet jusqu'à ce que le haunting cesse. And after a few attempts at this... Putain, il faut le faire plusieurs fois en plus. Ce qui me fait chier en fait, c'est que je sais pas si je peux passer la porte pour recommencer, ou si elle peut me re-hanter comme ça. J'ai l'impression que tout à l'heure, elle nous avait re-hanté avec le... Quand je dis hanté, c'est qu'il y a la musique qui démarre. Merci, mange mon dehors pour ton troisième mois. Je vais attendre encore un peu, 2-3 minutes. Si elle nous hante pas encore, on... On va se barrer, on va repartir dans un autre loop en passant la porte. Peut-être que je réexamine le bébé, petit truc comme ça. Alors je pense qu'il faut ouvrir une autre loupe. Écoutez, on va réessayer, hein. La technique tout à l'heure, elle a marché. On va voir. Est-ce qu'il faut que je refasse le truc des 10 pas dans n'importe quelle direction? C'est ça ma question en fait. Je vais essayer d'attendre comme ils ont dit par ici pour voir si je peux réussir à la forcer à spawner dans le miroir. Il est 23h59 ou il est minuit là? Putain, ça m'a fait peur. Merci pour le sub, tu veux du fromage, c'est très gentil. Il faut qu'on attende qu'il soit minuit, ok. Ok. Je vais essayer de refaire la... Bah non, là, elle nous en direct, il n'y a pas les cloches.
cloche. Bon, on va attendre la... Il a rigolé. Mais qu'est-ce que j'ai activé, là? Ah, oh, je comprends rien du tout. Elle a rigolé, mais pourquoi? Non, non, ça s'est pas passé comme ça avant. Avant, on a dû attendre la fin du haunting. Donc, moi je pense qu'on a réussi à faire en fait celui de la des cloches. Peut-être que le risque se déclenche de manière random, donc c'est peut-être ça. C'est parti du principe que t'as eu le deuxième. Alors attends, du coup. Ensuite. Faire une fanum baby laugh. When it does. Oh putain, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Fifteen seconds for the voice recognition. C'est super compliqué. Hein. Alors après le second rire, la manette devrait commencer à vibrer. Quand elle commence à vibrer. Tenez-vous complètement immobile. Et continuez de vous tenir immobile jusqu'à ce que vous entendiez le dernier rire. Après ça, le téléphone va commencer à sonner. Vous zoomez sur le téléphone jusqu'à ce que vous entendiez « You've been chosen. Then leave by exiting the hallways as normal. » Ok. On va voir hein, si je sens une petite vibration. J'ai cru sentir une petite vibration. Ok, donc là ça reprend. On écoute. Ah, là on a le static noise. Tut tut tut. Donc ça veut dire que... Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a le tut tut, on a le tut tut. On a le tutut. It begins with static heavy breathing. Donc ça devrait être ça. Ça doit être le téléphone. Ça va ! C'est super dur. Hein. Bon, en tout cas, la seconde technique a pas l'air de marcher. Je vais essayer. Sur le site, il y a marqué Possible Official Solution. On va faire ça. Hein. On va faire ça. Hein. Ah putain, je suis désolé d'avoir crié, mais ça m'a surpris en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle court vers moi. Alors attendez. On va réussir, j'en suis sûr. La solution officielle. On attend qu'il fasse minuit. On fait les 10 pas, donc on entend un rire. Ensuite, on doit attendre qu'un nouvel haunting start. À la fin, juste hein, avant la fin de cet haunting,
After Lisa stops crying, but before the haunting is over, donc une fois qu'elle chiale plus, whisper Jareth into the microphone. Donc, il va falloir que je dise Jareth. Jareth. Ok. Oui, ça peut m'intéresser, Yannock. On va essayer ça. Et si ça marche pas, pourquoi pas. The shoot trigger the second laugh. Ok. If not, wait for another hunting and try again. Ok. Et après ce deuxième rire, le contrôleur devrait commencer à vibrer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand ça vibre, on bouge plus. Jusqu'à ce qu'on entende le troisième rire. Et après, le téléphone va sonner. On zoome sur le téléphone. Jusqu'à ce qu'on entende You've been chosen. Compliqué, hein. Je l'ai fini comme ça. Ok, bah écoute, on va tenter cette solution. Putain, vous êtes 3000. Qu'est-ce que vous branlez là, les mecs, sincèrement? Alors qu'on galère de ouf. En tout cas, là, cette solution, elle est plus claire que tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici. Donc, on va essayer de faire ça. Hein. Je vais faire le Jareth. Je vérifie si le microphone marche bien. Jareth. Jareth. Ok, c'est bon. Ça marche. C'est parti. Allez, on attend minuit. Merci les Ariane pour ton prime. C'est 10 pas, puis Jareth, puis ne pas bouger par contre. S'il te possède, bruit de jambes de bois, forêt loupe. Ah, d'accord, ok. Donc quand je marche, quand j'entends le kungs, 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 là c'est que j'ai raté. Je vais essayer de le faire, je vais le faire proche, je vais faire Jareth. Je vais tenir le micro dans une main. Je vais attendre. C'est que faut que je vérifie si elle me rush pas en fait. Parce que si je me fais posséder, c'est mort. Ok. Donc là, ça va sonner. Voilà, donc là, Daft Punk. Il n'y a personne ici. J'attends la fin. Begging, begging you. Ah putain, si elle chantait, Lisa, ça nous aiderait. Mais faut que je ferme ma gueule, en fait. Faut pas que je parle. On va y arriver, on va y arriver. C'est la bonne. Ça marche. On attend le prochain haunting. Donc, juste avant que ça termine, après que Lisa ait pleuré, mais avant que le haunting soit terminé, whisper Jareth into the microphone. Ça va prendre 5 à 10 secondes pour que la reconnaissance vocale ait lieu. Ok, allez, c'est parti. On va essayer. Donc c'est là qu'il faut que je tienne... Ah putain, mais faut pas que je le tienne maintenant, parce que... Bon bah je vais fermer ma gueule les gars, je vous le dis tout de suite, je me tais. Où est-ce qu'elle est? Elle pleure? Elle pleure, donc ça veut dire que... Ah du coup l'autre solution ça aurait pu marcher. Elle chiale. Instead of static, the distorted sounds of a woman crying will sound... Donc là, elle chiale, donc ça veut dire que c'est le miroir. Écoutez, je vais faire miroir plus Jareth, comme ça on est sûr que ça marche. Ah ! Mais je peux pas du coup, là ! Bon bah je vais faire que Jareth. Jareth.
Jareth. Jareth. Jareth. Ça marche pas, hein. Oh la pute. Elle est de retour? Attendez, je suis safe quand elle est dans la salle de bain? Je suis safe quand elle est dans la salle de bain? Parce que là, c'était ça. C'était le loop où, justement, elle chouine. Et quand elle chouine, c'est le miroir. Donc... Compliqué, hein. Compliqué, hein. Ne chuchote pas pour que le jeu reconnaisse le son de ta voix, peut-être. Si c'est que c'est peut-être, t'es pas au courant, donc... On va voir. Ah! Et là, ça commence avec le... Oh! Donc, alors, attendez. Si ça commence avec ça... Oh! Ça veut dire que c'est la radio. Donc, alors, c'était quoi la technique avec ça? Being cautious to not get attacked by the ghost. Examine the object until the haunting ends. And after a few attempts at this. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer ça. Hein. Allez, je reste comme ça. Et je vais réessayer le Jareth. Jareth? Jareth! Je l'ai dit là, Hideo Kojima! Jareth. Putain, ça marche pas! C'est chiant là! Elle va me reposséder, cette conne. Bon, j'espère que tu chouines, hein. Il faut que tu la regardes, mais c'est pas marqué dans le tutoriel, les mecs, c'est pas marqué sur la notice! Dis-le en français! Mais c'est un nom anglais! Tu dis quoi? Jareth! Jareth, viens! Viens, Jareth! Je sais pas quoi faire. J'ai aidé un autre streamer hier. Dis-moi, Rossi, dis-moi. Attends, c'est qui le mec tout à l'heure qui nous a dit que ça marchait c'est chez Titavion? Dites-moi qui a dit ça. Jarry. Jarry atypique. Jarry atypique. J'avais fait la strat de la regarder, il me semble. Ah voilà, oui, sinon j'arrête. Oui, voilà, c'est tout aussi simple. Être à côté du réveil dès qu'il est minuit. Faire les 10 pas jusqu'à la salle de bain. Ne pas y entrer, trouver... Alors attends, qu'est-ce que tu me dis aussi? Donc ça a marché ailleurs, c'est ça. Hein. Être à côté du réveil dès qu'il est minuit. Faire les 10 pas jusqu'à la salle de bain, ne pas y entrer, trouver le fantôme et lui dire « J'arrive » ou alors un son de MGS. Hein, et après ne plus toucher la manette et attendre que le téléphone sonne. Et ça marche. Yes, ça a marché chez Titavion. Donc là, tu vas me dire qu'il faut que je trouve le... Attends. Coat, sound, MGS. Donc ça. je vais mettre ça. Et ça va marcher. T'es au courant quand même que si ça marche pas, tout le monde va se foutre de ta gueule. Hein. Je te préviens. Je te préviens. Le pire, c'est que ça m'étonnerait pas que ça marche. Soit ça, soit Jareth. Bah écoute, je sais tellement pas prononcer Jareth, on va mettre ça, hein. Je me garde ta soluce sous les yeux.
Bon, du calme par contre. Je vérifie si ça marche bien, que ce soit pas trop fort. Ouais, c'est peut-être un peu fort pour... Ok, ça a l'air de marcher. Du coup, je mets à côté du réveil dans une nouvelle loupe. Dès qu'il est minuit, je fais les 10 pas jusqu'à la salle de bain. J'attends pas qu'il y ait la fin des cloches, Rossi. J'attends pas la fin des cloches. T'es sûr de ton histoire, là? Attendez, faut que je fasse un truc. Oh là là, mais attendez, mais ça a dû être un tel bordel à l'ancienne pour trouver la solution, j'imagine même pas. On galère tellement. Je me copie-colle ta solution. Comme ça, je l'ai dans un coin. Hop. On va réussir, les mecs, hein. On va réussir. Hop. Alors, Val, est-ce que tu m'as répondu? Soit ça, soit Jareth, ok. Dès que c'est minuit, c'est bon. Ok, ça marche. Bah écoute, on va essayer. On va essayer, c'est parti. Ça pue le prank. Non, en vrai, j'ai envie d'y croire. Si c'est un prank, c'est pas drôle. Tu nous fais chier, tu nous fais perdre du temps. Et en plus de ça, tu seras Théo jusqu'à la fin de ta vie sur la chaîne. Donc bon. Après, je peux mal le faire et ça peut ne pas marcher. Auquel cas, ce sera pas ta faute. Mais Donc alors... Voilà. Ma mère est rentrée pendant que je me branlais. C'est bon. Allez, nouvelle loupe. Il y a marqué du japonais, là. Allez, c'est parti. Ah bah là, elle me possède encore. Ok. J'attends. Attention, ne pas mettre pause. Ok, je ne mettrai pas pause. Putain, j'ai envie de chier, de pisser, j'ai faim. Peut-être que ça marche, hein. Si je dis ça dans le micro. Est-ce qu'il faut que je mute le son du micro? Parce que j'anime un stream, en fait, je travaille. Donc, Rossi, est-ce qu'il faut que je mute le micro le reste du temps ou pas? Je vais juste pas parler. Je vais juste pas parler. Normalement, ça dérange pas. Ok. Être à côté du réveil dès qu'il est minuit. Faire les 10 pas. Je vais juste pas parler, ce try-là. On va se concentrer. Où il est le fantôme? Elle est là! Non, je voulais te dire! Je suis possédé! Elle m'a possédé! Ouais, je recommence, Rossi, je recommence. Je l'ai dit vite, hein! Faut s'arrêter devant la salle de bain, ok. Compliqué votre histoire. Hein. Tu t'es trop approché. Du coup, faut que je sois loin, que je la vois, et faut que je zoome et je fais. Comme ça? On est d'accord? Moi, je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Ok, on va faire ça. Bah, désolé, je pensais que je pouvais m'approcher un peu plus. Et après. Alors, et une fois que j'ai fait le. Zoomer, comme ça. Je fais ça. Je dézoome et je lâche plus la manette. Et j'attends que le téléphone sonne, c'est ça? Dis-moi si c'est bien ce que je dis aussi. Ouais, je me doute que ça marche, le Swap GS. Ça m'étonne pas de Kojima. En gros, dès que c'est bon, il y a un deuxième cri de bébé et là, on touche plus rien.
J'ai fait les 10 pas jusqu'à la salle de bain. Je n'y suis pas rentré. Donc maintenant, je peux me déplacer, je peux me mouvoir et trouver le fantôme. On est d'accord. Je la vois pas. Je t'ai dit, j'ai fait l'alerte. Je suis repossédé là. Je me suis envoyé son nom, t'es trop lent, wesh, mais allez vous faire foutre au bout d'un moment, c'est compliqué là. Et il faut que je sois aligné avec la mec. De l'autre côté, il faut que mon téléphone soit connecté sur l'alerte de MGS, ça n'a aucun putain de sens, il faut attendre qu'il soit minuit. Ça ne veut rien dire, tout simplement. C'est complètement con. Bon, je refais parce que là, c'est rouge. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que j'étais trop proche, là, Rossi, l'expert? J'étais trop proche ou pas? Faut me le dire, hein. Allez, on attend minuit. On va y arriver. On va y arriver. Faut éviter d'être trop proche et de se faire poser. Donc recule un peu en même temps. Oh ouais, non mais au bout d'un moment, ça va, s'il y a des techniques. Il faut s'appliquer Nies pour faire la technique là. Quand même quelque chose, hein. Je vois rien en plus. Je vais mettre la luminosité à fond. Voilà, comme ça je la verrai de loin. Je la verrai de loin. Est-ce que j'ai besoin de zoomer quand je fais le... Ou juste je la regarde et je lui dis ça en face? J'attends. Je vais me taire. Elle est là. Ok. Eh oh! Alerte! Alerte! Jareth! Jarrett! Tu me vois, connasse? Jarrett! Je bouge plus! Je bouge plus! Je bouge plus! Fais la suite! Mais on n'a pas eu le rire! Là, ça veut pas, donc attends qu'il y ait... On va pas y arriver. Hein. Je vais me mettre devant la salle de bain. Je l'avais bien fait, là, pourtant. C'est de la torture psychologique, mais c'est incroyable. Je pensais pas que c'était aussi compliqué à faire. Hein. Teste le Jareth en ASMR. Normalement, en 5 secondes, ça devrait faire le cri de bébé fait ça au pire. Donc, je me mets comme ça devant le micro et je fais Jareth. Jareth. Et là, on est bon?
Elle est là ou pas la vieillasse là? Je la vois pas. Bon allez, je recommence une loupe. Elle est pas dans la salle de bain. Je vais recommencer une loupe pour être sûr, pour que ce soit propre. Au moins on appuie la lumière rouge, ça me perturbait. C'est quand même technique, hein. Donc là. Je résume encore une fois la situation, mais c'est pour être sûr que je fais rien de bizarre. J'attends qu'il soit minuit. J'avance jusque devant la salle de bain. C'est fait. Ensuite, j'attends qu'elle réapparaisse. Je m'approche de sa gueule. Je zoome sur son front. Jareth. Comme ça, on est bon. J'entends le rire. Je touche plus à la manette. J'attends que le téléphone sonne. Et je zoome sur le téléphone. Et là, c'est terminé. Yes, exact. Arrête de mettre l'ulre aussi parce que ça va partir, là. Tu te fous de ma gueule, espèce de sale con. Vraiment, je vais mal le prendre, hein. Je rigole, maintenant il met ah ah ah. C'est bon, t'inquiète. Ah. Ça, on l'a régu. Je ferme ma gueule. J'ai la ref. J'ai dit j'ai la ref. Ça a marché. Ça vibre. Ok, je touche plus la manette. J'attends que le téléphone sonne. Et une fois que le téléphone sonne, je zoome dessus, c'est ça? Je vais devant et je téléphone. Je vais devant le téléphone et je zoome dessus, on est d'accord? J'ai pas appuyé ailleurs. C'est ça, hein? You've been chosen. C'est bon? Et ensuite? Je m'en vais? Je m'en vais ou pas? Go à la porte. Ok. Ah, mais je suis con, pas celle-ci. Oh la vache, c'est le Gélaref qui nous a fait gagner. C'est le Gélaref qui nous a fait gagner. Je savais que j'aurais dû le dire dès le début, Gélaref. Je savais. C'est grâce à vous, l'évêque, c'est grâce à vous. Such a drag. Same kind of food, dressed the same. And kill us all. I will be coming back. My new toys with me. Ah, cette voix, quand même, il y a quelque chose. Hein. Kojima, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Konami?
pas vrai. Del Toro, Del Toro. Putain. In quoi? In quoi? Oh, jamais on l'aura, jamais on l'aura, ce putain de jeu! Konami, vous branlez quoi, là? Hein? 3384 personnes sur mon putain de stream pourri où d'habitude on est 1600? Vous savez quoi faire, bordel de merde? C'est un appel au secours, c'est un appel à l'aide! Donnez la licence à PlayStation et à Kojima pour qu'ils fassent ce putain de jeu, d'accord? Hein? Ça me saoule. Ça me saoule. Et s'il vous plaît, Konami, vous faites pas racheter par Microsoft, hein, parce qu'ils vont nous foutre 343 Industries sur Silent Hill. Hein? Ils sortent les jeux en kit, c'est très bien, Halo. Hein. Mais bon, là, il faudrait peut-être sortir des maps. Mais en tout cas, aussi, merci. Hein. Est-ce que tu peux écrire un message, s'il te plaît, dans le chat? Pour que je puisse t'offrir un petit sub en gage de mon contentement. Pour être gentil avec toi, quand même. Tu l'as mérité, tu l'as mérité. Ah, merci, hein, parce que franchement... Au final, la technique que tu nous as donnée, elle est pas... Ah bah, il est déjà abonné. Offrir un abonnement, je peux même pas. Il est déjà abonné. Bon, bah, pas grave, tant pis, ce sera quelqu'un d'autre. Bon, pas aujourd'hui, mais merci Rossi. Hein. En tout cas, très content, bien adoré. En fait, la technique que tu nous as donnée, elle n'était pas si compliquée. Pas si compliquée que ça. Hein. En tout cas, c'était beaucoup plus simple que tout ce dégueulis de solutions pourries qu'il y a sur IGN. Franchement, allez sur la page, les gars, ça n'a aucun putain de bon sens. Hein. Sincèrement, ça n'a aucun putain de bon sens. Bon, par contre, il faut quand même dire, j'ai la ref, hein. Je me permets de vous le redire, c'est vrai que j'ai oublié ça, là, le temps d'un instant. Il faut dire, j'ai la ref, les gars, pour activer la fin du jeu. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et du coup, ça me saoule, parce que j'ai envie de refaire le jeu, hein. J'ai envie de refaire. Bon, vous avez pensé quoi, là, pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu? En tout cas, la démo. C'est bien, hein, franchement, c'est bien. Hein. Vous comprenez, maintenant, quand je vous dis qu'il n'y a plus aucun jeu d'horreur qui me fait envie? Sincèrement, j'ai plus envie de jouer à un seul jeu d'horreur, j'ai envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer à Silent Hill. Encore une fois, il y a toutes les théories que je vous avais dites à base de... Kojima, en fait, il a fait ça dans le dos de Konami pour qu'il se fasse taper sur les doigts et virer parce qu'il en avait marre d'être coltiné à faire que Metal Gear alors qu'il voulait faire d'autres trucs. Il y a ce délire-là, mais bon. Moi, je pense sincèrement que, quand même, s'il y a un Silent Hill qui doit sortir... C'est celui-ci qui doit sortir, pas un autre. Hein. Ça fait très feld up dans l'ambiance. Ça veut dire quoi, ça? Non, sincèrement, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense pas que ce soit impossible, en vrai, qu'il chope la licence Kojima si c'est Sony qui vient toquer à la porte de Konami et qui dit « Bon, les mecs, il y a à peu près 150 millions d'exemplaires à vendre. Si on sort le jeu, on va peut-être le faire. Hein, et vous laissez ça à Kojima. » On verra. On verra. Mais tout le délire... comment vous appelez ça, déjà? Les énigmes en ligne, où il y a plusieurs gens qui essayent de se donner du mal pour essayer de trouver une solution. Les ARG, c'est ça? Ouais, voilà, bah c'est ça. C'était ça, le délire du truc. Et ils ont réussi. Et encore, dites-vous que Kojima, en interview, après, quand ça s'est su que c'était lui qui était derrière le projet, quand quelqu'un a fini la démo, dites-vous que Kojima, il était déçu, parce qu'au final, les gens ont tellement été... présent hyper vite sur les forums et tout pour trouver la solution, qui voulait rendre le truc encore plus dur. Mais rendez-vous quand même compte à quel point la fin, là, quand même, c'était technique. Hein. Je crois que le jeu, il a été terminé en 3 jours après sa sortie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est sûr que c'est moins d'une semaine. Mais ça s'était fait super vite. Hein. Et ouais, Kojima était déçu que les gens trouvent ça trop vite, tu vois. Alors que bon, c'est technique. Moi, tout seul, j'aurais jamais trouvé. Hein. Ils avaient même aussi une autre petite anecdote, ils avaient fait exprès de rendre le jeu moins beau que ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on croit que ce soit pas lui derrière le jeu, mais un studio indépendant. Sauf que à l'époque, vraiment 2015, les mecs, je remets dans le contexte, hein, la démo c'était une putain de claque graphique, hein. C'était magnifique. Hein. Et ça l'est encore aujourd'hui, c'est très beau. Hein.
La résolution, faudrait peut-être l'augmenter, mais je suis désolé là. La banane. Même dans Donkey Kong, il n'y en a pas une plus jolie que ça. Hein. Je suis désolé. La gomme, là, le... les clopes, les clopinettes. C'est quand même très très bien. En tout cas, je suis content, on aura réussi à le faire. Je voulais le faire de bout en bout en stream, et je voulais faire surtout les ficelles, parce que vous pouvez, hein, si vous n'avez pas de PS4 modé, jailbreaké, etc. Vous pouvez jouer au jeu, c'est juste un remake d'un fan qui a été fait sur... comment ça s'appelle ? Sur l'Unreal Engine. Je crois qu'il a essayé de coder le truc de façon à ce que vous pouviez, ce que vous puissiez faire la fin comme il se doit. Exactement celle-ci. Mais c'est quand même cool d'avoir le matériau de base. Hein. Et ça, ça va pas quitter le disque dur, hein, autant vous le dire. Il y a moyen que je me la relance. Voilà, voilà, voilà les mecs. Je suis content qu'on ait réussi à le faire. On va se mater le deuxième trailer, parce que du coup, je vous avais parlé tout à l'heure d'un... Putain, mais ce thème de PlayStation, c'est quand même quelque chose. Hop là, éteindre la PS4. On va se mater le trailer qui est sorti après. Comme je vous avais dit, c'était au Tokyo Game Show, après l'annonce du jeu. Et le deuxième trailer, on l'a déjà regardé sur cette chaîne, hein, vraiment, mais l'ambiance, elle est tellement folle. Putain, je suis content qu'on ait réussi. Franchement, je pensais pas qu'on allait réussir aussi vite. Il y a même Squeezie qui est venu sur le stream, les gars, au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est la rançon de la gloire. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, que je retrouve le trailer. J'aimerais bien l'avoir en bonne qualité, si possible. Trailer Silent Hills. Tokyo Game Show. Il y a 7 ans, ça c'est du HD ou pas? Ah, c'est 2014 hein, les mecs. Hein. Alors la qualité est à chier. Jeu actu. Non, je pense que la qualité est encore moins bien. Bon, en vrai, il n'y en a qu'un seul qui a l'air viable. Hein. 3 millions de vues. Au début, je crois qu'on entend un peu le public, mais après ça se corrige, vous inquiétez pas. Alors capture de fenêtre, hop. Pity, tac. Je vais juste essayer de vous le cropper comme il faut. Putain, c'était bien. Hein. Franchement, ça fait du bien d'y rejouer. Parce que moi, j'avais pas fini la démo hein, à l'ancienne. J'avais regardé des let's play de gens qui arrivaient à la fin. Mais la solution, elle était toujours hyper, hyper approximative, quoi. Allez, c'est parti. Ce trailer-là, je le trouve incroyable. En termes d'ambiance, il est folichon. Hein. Alors c'était au Tokyo Game Show, c'est normal qu'on entende parler japonais au début. Hein. C'est Kojima-san. Déjà rien que là, ce qui va se passer. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ah putain, ça donne des frissons. En plus, il a même mis des escaliers. Dans Silent Hill, les escaliers, c'est mythique. On descend tout le temps dans Silent Hill 2. Et voilà. Et voilà tout ce qu'on verra. Le meilleur jeu de ces, peut-être, de ces 10 dernières années, que dis-je, de ces 50 dernières années, n'est jamais sorti, les gars. Il est jamais sorti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça me déprime. Ça me déprime.
Merci beaucoup, au fait, hein, les gars. Je vous ai pas remercié pendant le stream quand vous êtes sub. Merci Zetlas, Lizarian, Shido, Akaba, Escanor, Trovias. C'est gentil. Hein. Bon, le seul truc que j'espère, c'est que ça vous a plu. Parce que ça me tenait à cœur de le refaire en stream, en plus sur la vraie version. Le meilleur jeu de ces 50 dernières années sort dans 6 jours. C'est vrai que, heureusement, on a Elden Ring, mais au fond de moi, Silent Hill, j'ai envie qu'il sorte quand même. Mais genre, le jeu est prêt sinon? Ah non, non, non. En fait, faut savoir, pour ceux qui connaissent absolument pas l'histoire, c'est très simple. Il avait sorti la démo Kojima, je l'ai expliqué au début, mais vous étiez peut-être pas là. Il avait sorti la démo Kojima sous le nom d'un faux studio, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le 7780 Studio. Du coup, on savait pas que c'était lui quand c'est sorti. C'est que quand les gens ont trouvé la fin du jeu, ils ont compris qu'en fait c'était Kojima avec Del Toro et Ridus qui étaient derrière. Du coup, il y a eu une putain de hype autour, sauf que Konami, après, a décidé de virer Kojima de Konami. Ils l'ont même mis à la fin du développement de DevGen 5, ils ont mis Kojima dans un autre bureau, il n'avait plus le droit de parler à ses employés pour terminer son jeu, c'était n'importe quoi. Et ils ont annulé officiellement Konami quelques mois après le jeu Silent Hills. Donc même s'il y avait eu un début de jeu développé, ça a dû être viré des disques durs là-bas. Donc le jeu n'existe pas, juste le jeu n'existe pas. Ou alors il existe... Et là, on n'est pas au courant et ça sort. C'est annoncé cet été, ce serait hallucinant. Bah, mon Silent Hill préféré, c'est le 2. Hein. J'en ai déjà beaucoup parlé. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes sur le live depuis aujourd'hui, vraiment, je pense que le meilleur que vous pouvez faire chez vous pour vous mettre dans l'ambiance, c'est le 2. Parce que ceci se prend à part, en fait, du lore des autres. Et j'ai fait un let's play dessus. Donc, allez sur ma chaîne VOD. Vous trouverez la VOD Silent Hill 2. C'est en deux parties, en 6 heures, je crois, à peu près. C'est très très bien. Mais oui, ils sont débiles, Konami. Déjà, ils chient sur Metal Gear en sortant Survive. Ils chient sur Castlevania en sortant des NFT de Castlevania. Pas de jeu Castlevania. Il faut plus de jeu Castlevania. Ils font rien. Ils ont des putains de licences. Silent Hill, MGS, Castlevania. Ils en font rien. Ils font des pachinko, des NFT. Faites des jeux, non? Avec des gens compétents. Donc là, sincèrement, j'espère que cette vidéo... qui sortira sur la chaîne vidéo et VOD et ce live auront servi à quelque chose en vous sensibilisant un petit peu à ce qu'est Silent Hill, quoi. Ce qu'aurait pu être Silent Hills. Mais bon. On n'y aura jamais droit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu, vraiment, parce que j'étais content de le refaire en live. On l'a réussi à le terminer grâce à Rossi, hein, surtout. Grâce à Marcel aussi. Mais j'ai envie d'y croire. Au fond de moi aussi, Marcel, j'ai envie d'y croire. Je me dis que PlayStation, ils sont intelligents, ils sont peut-être allés voir Kojima et Konami pour leur dire « Bon les gars, faites un partenariat, hein, le temps d'un jeu. Kojima, tu sors le jeu que tu voulais faire et tu vas le faire. Et très très bien. Et on fera les meilleures ventes de tous les temps sur un jeu d'horreur. » Abandonne, les gars, c'est toujours au point mort. Hein. Je crois qu'aux dernières nouvelles, il y avait eu le mec là qui est super mystérieux. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Enfin bref. Nanagramme de Kojima, qui avait dit bah, c'est le bordel, on se fait harceler, machin, et c'est tout. De toute façon, à chaque fois qu'ils ont annoncé un truc, les développeurs de Abandoned, ça a été annulé très très vite ensuite, donc faut pas s'attendre à ce que le jeu sorte un jour. Hein. Ils savent que le jeu est attendu de ouf, en termes de vente, ça serait dingue pour eux et pour les joueurs, n'en parlons pas. Mais oui, je suis d'accord, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas ça. Juste, c'est pour ça que ça n'a aucun sens. C'est pas logique. C'est pour ça que je pense qu'au fond de moi, Kojima, il taffe sur Silent Hills, là, c'est sûr. On va espérer, hein. Ou alors, ils font exprès de tirer au max sur longueur pour que les gens n'y croient plus. Il y aura toujours des gens qui y croiront. Regardez, vous êtes 3000 aujourd'hui sur ce stream. Et puis moi, j'étais très content de le faire aussi. Donc peut-être que des gens y croient tout comme moi. Hein. C'est juste des Japonais. Alors c'est vrai que les Japonais, souvent, ils ont des choix un peu chelous hein, en termes de marketing et de développement. CF Nintendo, hein. On sort des ROM sur qui coûtent 50 balles et ça marche, mais bon. Je les achète, les ROM aussi, donc forcément. Allez, on y croit, les gars. On y croit, et on va peut-être y avoir un jour... J'espère, en fait, que à cette E3, là, en juin, on ait une dinguerie. Vraiment, State of Play, PlayStation, et c'est annoncé. Alors là, je chie par terre, je mange mon caca, je ravale toutes les méchancetés que j'ai dit sur Konami, et on y arrive. On va voir, hein. Le 3 est toujours maintenu? Non, mais quand je dis E3, c'est plutôt pendant la période. Je pense que cet été, PlayStation, Microsoft, Nintendo feront leur direct en ligne, quoi.
Le studio qui fait Atomic Heart va devenir une putain de pépite avec des chefs-d'œuvre dans les 10 prochaines années. Je pense aussi, ouais. Comment il s'appelle? Munfish, je crois, c'est le nom du studio. J'en attends beaucoup hein, de Atomic Heart, hein, donc j'espère que ce sera à la hauteur. Il a l'air pas mal. Ouais, après, il, les gars, encore une fois, le gros concept trailer qu'on avait vu au début, c'était que la 3D. Hein. C'était pas in-engine. Enfin, c'était in-engine, mais c'était pas. Ça tournait pas sur une vraie galette. Hein. Donc, Calmos. Et le petit trailer de 10 secondes qu'on a vu, ça a l'air d'être du vrai gameplay, mais on n'a strictement rien vu. Pour l'instant, ouais, comme dit Marcel, c'est pas un jeu encore. Donc, attendons de voir un peu plus. Ça peut être cool, mais on va attendre. Ouais, je sais, on l'avait regardé, Smorrors, la semaine dernière. Si vous avez pas checké ce que c'est Atomic Heart, vraiment, le dernier trailer, il envoie. Hein. C'est grave propre. Guillermo del Toro n'a-t-il pas dit qu'il ne rattrapera jamais dans les jeux vidéo après l'annulation de Silent Hill d'ailleurs? Alors peut-être, sauf que je ne sais pas si vous vous rappelez au dernier Game Awards, donc en décembre quand on avait regardé ça en stream, justement on était étonnés parce qu'il y avait eu l'enchaînement Kojima et del Toro. Ça avait déclenché un petit truc, surtout que del Toro il avait dit, il avait parlé vite fait Silent Hill en mode malheureusement on n'a pas pu sortir Silent Hills, machin. Et je crois que derrière il sortait une petite pépite en mode peut-être un jour, tu vois. Donc il n'est pas fermé à mon avis, il n'est pas fermé. Il y a Evil Inside qui a essayé de recréer l'ambiance de Pity, non? Ouais, après, c'est très sympa. Hein. Même mes recettes, quand c'est sorti en FPS, on avait l'impression de, du coup que c'était le Pity qu'on n'a jamais eu, sauf que non, en fait, c'est Resident Evil. C'est même pas Resident Evil, en fait. RE7, RE8, c'est tout sauf Resident Evil. C'est un jeu d'horreur vraiment plus. Mais ça me fait pas penser du tout à Resident Evil. Il y a juste le virus, voilà, Umbrella, et c'est tout, quoi. On met Chris Redfield et c'est tout. C'est Resident Evil. Mais bon, pour moi, c'est vraiment pas Resident Evil. Et faut arrêter, Pity, c'est Pity en fait. Reconnaissons les jeux d'horreur tels qu'ils sont, hein. On peut essayer de trouver des similitudes à chaque fois parce que ça gâche un peu le bousin. C'est comme quand vous dites, ce jeu-là, c'est le Dark Souls des jeux de plateforme. Bon, reconnaissons le jeu pour ce qu'il est, hein. Cessons de comparaison. Putain, le bordel que j'ai foutu juste pour trouver un putain de micro, qui va vite se faire ranger ensuite, je vous raconte pas. Bon, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser, les amis. Hein. Oh, putain, je vois... Ah, fils de... Ah, pardon, j'ai vu Tonton qui stream sur Elden Ring. Et je suis très content pour lui qui joue à Elden Ring. Je suis très content. Je suis super heureux qu'il joue à Elden Ring en avance. C'est cool, c'est cool. Bon. On va voir. Tout est possible. Peut-être qu'on aura le jeu en avance et que je pourrai le stream avant. Les gars, je suis tellement fini à la piste que j'ai réservé le jeu dans 3-4 magasins différents pour que si on me contacte la veille de la sortie, on me dise « Oh Hugo, c'est bon, tu peux venir chercher ton jeu. » Alors là, putain, je suis fini à la piste, je suis starbé. Hein. Je vais essayer de pas me spoiler. Hein. Je vais essayer de pas regarder son stream, même si c'est très très dur. On compte sur Nono, hein, les gars, si, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Hein, Nono, il a intérêt de nous appeler. Hein. Si cette semaine, j'ai pas un appel de Nono... Je peux pas avoir de déception en 2 semaines, c'est pas possible. Déjà le PC qui marche pas, du coup on est obligé de jouer à des jeux PlayStation, et ensuite Elden Ring qui arrive le jour même. Je peux pas y croire. Il faut qu'il arrive avant. Bon, on verra. En tout cas les gars, je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir été autant sur ce stream. En plus vous êtes restés longtemps, hein. Vous êtes restés jusqu'à la fin, donc c'est que ça vous intéressait finalement. Moi je vous invite à venir plus souvent, hein, les mecs qui sont pas là, vous savez quoi faire. Hein. Bref, c'était très très cool comme stream. Je pense que je vais streamer demain, hein. Je pense qu'on va continuer Bloodborne en 60 FPS, hein. La PlayStation est branchée, de toute façon je peux pas jouer à des jeux PC, donc autant en profiter. On va faire ça je pense demain, dans tous les cas, même horaire qu'aujourd'hui, hein, vers 13h. Le stream était très très cool, merci à toutes celles et ceux qui se sont subs et qui sont restés sur le stream du coup. Moi je vous fais des gros bisous, on va essayer de vous uploader la VOD très très vite, je pense d'ici demain soir elle sera sur la chaîne VOD. Et puis c'est tout, voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous, les mecs. Encore merci, c'était vraiment très bien comme stream. J'ai vraiment kiffé le refaire. Et on se dit à demain, hein. Toutes et tous, autant que vous êtes. Hein. À demain, les gars. Non, je vous envoie pas sur Tonton, parce que s'il y a des gens qui veulent pas se faire spoil, je préfère qu'ils y aillent d'eux-mêmes. Hein. Allez, des bisous, les mecs. À très très vite. À demain, 13h. Et portez-vous bien. Hein. On va l'avoir, c'est lentille. Peut-être. On va l'avoir.